C'est parti pour deux. Alors, on commence par faire l'appel. Alors, tout d'abord, Sophie. Présente, monsieur. Oui, Emmanuel. Je suis là, monsieur. Très bien. Laurent. Présent. Oui. Olivier. Olivier. Oui, présent. Ah. Alors, Nadine. Oui, présent. Et Sandrine. Sandrine. Il me semble bien l'avoir vu. Son voisin peut la secouer. Elle n'est pas là. Sandrine. Ah. Présente. Ah, ok. Bien, on va passer à la correction de l'exercice. Alors, qui veut passer au tableau? Moi. Ah, Emmanuel. Alors, très bien, Emmanuel. Passez au tableau. Bien, alors, donc, cet exercice est extrêmement simple. Il suffit tout simplement d'utiliser la loi d'action des masses réciproques. Tu vas trop vite. Et vous utilisez également, vous faites attention aux problèmes de charge, qui sont extrêmement importants. Vous utilisez également l'électroneutralité qui vous permettra de terminer probablement l'exercice. Ah! Eh bien, c'est très bien, Emmanuel. Bravo, excellent exercice. Est-ce que quelqu'un a des questions sur l'exercice? Quelqu'un a des questions? Je ne vois plus. Non? Tout va bien, tout va bien. Bon, pas impeccable. Oui, je pense Emmanuel, retournez à votre place, Emmanuel. Merci. Allez. Très bien. La remise des copies. Alors, Emmanuel, très bien comme d'habitude, 17. Sophie, c'est bien, 13. Olivier, c'est bien, 15. Sandrine, des problèmes avec des nombres complexes, comme d'habitude. C'est pas une raison pour dire de regarder la copie de Laurent qui a très bien travaillé. Hein. Et puis, en fonction de ta note, tu iras voir sur la copie de Laurent. Alors, maintenant, on passe au cours du courant. Alors, Nadine et Delphine, c'est très bien, mais alors, votre copie, pourquoi vous écrivez directement sur la table? Bah oui, d'accord, mais ça vaut combien? Ça vaut 13, mais bon, c'est un peu compliqué à emmener. Hein. 13? J'hallucine. Bien. Et puis nous, on a 0. Bon, alors, vous voyez donc l'observation que... Ah non, pas encore. Bon, bah le cours est terminé. On va aller manger. Ouais.